Le problème, c'est que surtout, on s'aperçoit que les messages de prévention ne passent pas bien, puisque chaque année, il y a 7000 personnes en moyenne en France qui sont nouvellement contaminées. Et ça se reproduit depuis plusieurs années. Donc les messages de prévention qui ont été essayés jusqu'à présent ne sont pas efficaces. Une autre façon donc d'arriver à une prévention, ce serait de traiter les personnes séropositives et en les traitant, d'éviter que cette personne ne contamine d'autres personnes, même si elle n'utilise pas de préservatif. C'est un moyen de prévention supplémentaire, je dirais.